YouTube. C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Troisième fois que je te retrouve dans cette ville, à peu près. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. On va aller à Union Police, sauf qu'avant ça, j'aimerais qu'on retourne dans la forêt où on avait croisé Sarah, tu sais, la dame au Levenard, puisqu'il y avait là-bas un passage à libérer avec la capacité coupe, sauf que je pouvais pas encore la faire à l'époque. Donc maintenant que je peux, deux épisodes plus tard, on va pouvoir aller s'en occuper. L'épisode précédent, il s'est passé pas mal de choses. On n'a pas forcément fait de gros passages scénaristiques ou quoi, mais la piste cyclable, plus la grotte de sous la piste cyclable, plus une grotte secrète que je ne peux pas visiter parce que je n'ai pas la capacité force, mais qui va me permettre de faire de belles choses par la suite. Donc autant te dire que l'avenir va nous proposer des choses incroyables. Alors, je te parlais de là. Ici on peut utiliser coupe. Et à partir de là, normalement, on va trouver, si je me rappelle bien, je veux pas le dire parce que sinon je vais spoil. Voilà, on va trouver un manoir. Et normalement dans ce manoir, il se passe des choses. Vous trouvez une dose d'huile. Oh, yes. On va pouvoir faire du bodybuilding. Et pape pipopu. Ouais, je checkais un petit peu la map. Et je me disais que je me rappelais d'un truc. Mais effectivement, le jeu me l'a confirmé. Pour moi, le Pokémon Diamant et Perle et Platine, enfin la quatrième gène quoi, c'est vraiment la route victoire la plus incroyable de toutes les gènes en fait. C'est la vraie route victoire, tu passes une heure là-dedans. Parce que ça, ça le mont couronné là, c'est la route victoire. Ensuite t'as le dernier passage qui est là. Et normalement ici tu as la Ligue Pokémon. Là, tout ça là, tout ce passage, ça, c'est l'ultime ligne droite pour finir la région et je trouve ça très très fort. Bref, engageons. Bienvenue dans le vieux château. Mario. Vous avez l'impression qu'on vous observe. On va trouver Luigi en PLS dans un coin. Je sais plus ce qu'il faut faire dans cette maison. Je sais qu'il y a des secrets. Ah, un antidote. Je sais qu'il y a des secrets ici, mais je sais plus. Ah merde, je m'attendais pas à me faire attaquer. Un Fantominus. Ok. Alors attends, je me suis un peu rechargé. Cela dit, je crois que j'ai pas les attaques qu'il faut pour un Fantominus. Ah si. Vas-y, je veux juste savoir si je peux l'éclater. Le mont couronné, ce n'est pas la route de victoire, c'est juste pour obtenir le légendaire. Ah bon? Ah ouais? Ah pardon, autant pour moi. Ah bah merde alors. Ah bah zut. Ah bah capoué. Bah tant pis, bah je pensais vraiment que le mont couronné c'était la route victoire. Mais je me rappelle quand même que la route victoire dans ce jeu là elle est longue. Et genre il s'y passe vraiment des bails. Parce qu'il y a des jeux Pokémon, la route victoire t'affrontes 3 pélos et c'est fini quoi. Est-ce qu'on croise que des Fantominus ou bien? C'est pour savoir si c'est pour savoir si je m'intéresse à la zone ou pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans ce manoir... Parce que là, du coup, en fait, c'est la couchée... la couchée. Fatigué, YouTube. Ça fait 6 heures en stream, je suis fatigué. Ouais, donc c'est la tombée de la nuit. C'est le coucher du soleil. Et je suis en train de me dire que s'il faut, ça se trouve tu reviens dans une heure quand il fait nuit, et il se passe des choses incroyables. Peut-être, hein. Vous avez trouvé un vieux gâteau. D'accord. Je sais plus ce qu'il faut faire ici. Je sais qu'il y a un secret... Ah, c'est horrible d'être vieux et de pas se rappeler. C'est horrible. Ok. Non, j'ai pas réussi à m'enfuir. Lâche-moi. Arrête avec ton regard émo. T'es pas gentil. Je veux fuir. Non, c'est la fuyance. Bon. Tant pis. Bah, tu vas mourir. Hein. Eh, tu l'as choisi. Moi, je dis ça. Tu l'as choisi. Padadam. YouTube, oublie pas, hein, tu peux nous rejoindre dans la description. Et je serai toi, si tu veux participer, je nous rejoindrai assez vite. Parce que là, juste aujourd'hui, on en est à la 4ème VOD, je crois. Ouais. Donc ça avance. Sans Kukai, let's go. J'ai confiance en toi, mon meilleur ami, pas du tout. Alors, bon, maintenant qu'on a fait tout ce qui avait l'air d'être annexe, cette pièce. Ah, c'est pas fini.
Pardon. Je pensais que ça s'arrêtait là. Ok. Le Pokéball. La plaque ombre. Une plaque ombre? Quand l'univers fut créé, ses fragments formèrent cette plaque. Rangez la plaque ombre dans la poche. Ça, je crois que c'est pour un légendaire. Il me semble. La télévision vous donne une sensation étrange. C'est comme si elle vous regardait. Je peux rien faire avec la télé? Effectivement, normalement, il se passe un truc avec la télé, mais je sais plus comment déclencher déclencher l'action. Est-ce que je dois... Parce que je parlais de revenir en pleine nuit, mais... Oh, j'ai peur un peu, lui. Mais... Eh, je te vois me regarder avec les yeux rouges, hein. Oh. En plus, ça fait des... Oh, oh, oh. C'est la maison du Père Noël, ouais. Vous trouvez la CT90 clonage. Donc je ne peux rien faire. Il faut revenir après la ligue. D'accord. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. C'était totalement secondaire. Je voulais pas forcément venir maintenant tout de suite là. Bon bah je suis déçu. J'espérais trouver Luigi. J'ai trouvé que des bouts. Vous voulez une anecdote un peu conne? J'ai jamais joué à Luigi's Mansion. Voilà. C'est quand même pas en plus. J'ai jamais joué à Luigi's Mansion. Ah là là, enfin. Allons-y. Allons vers Onion Police. La ville qui lutte encore et toujours contre les vampires. Ah non, c'est là et les vampires. Et ben la ville qui aime faire des bons plats cuisinés. La ville où le chili règne en maître. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec des oignons. La ville des Onion Rings. Fondateur d'une chaîne de fast-food incroyable. Je sais pas moi, aidez-moi. C'est cool parce que je viens de me taper plus d'une heure et demie de grotte à affronter que des doubles. Et là du coup on en engage en fait. Allez mon Pokémon, donne-nous à fond. Ah, en fait c'est la génération où t'affrontes que des doublons. J'ai l'impression. Oh, nouveau lieu. J'ai jamais vu celui-là. Gérard le fan de camping et sa copine. J'ai pas vu. Voilà. Et bienvenue aux ceux qui nous rejoignent. On n'oublie pas de follow la chaîne si jamais on veut. À mort. Oh le salopio. Et quand même explique pourquoi on a survécu. Ok. En fait, je regarde pas tout ce qui se passe. Parce que je pars du principe que c'est des combats un peu brouillons et que je les connais ces combats. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une attaque qui est loupée. Et du coup, genre, y'en a, ils se prennent pas d'attaque, c'est chiant. En fait, tu me diras, vas-y, j'ai deux Pokémon marmottes et ils ont des Pokémon de type speed. Aïe! Ça pique. Pff, ne meurs pas. Mais non, mais c'est pas vrai. Guy est paralysé. C'est une blague. Je n'ai même pas les blagues. Allez, on enchaîne. Allez, laisse-moi attaquer, s'il te plaît. Vous manquez qu'à BT tous les deux. Allez, bloop. Voilà, bien. Son Kukai qui est devenu mon main. Vraiment. Et niveau 24, les gars. Est-ce que vous pensez qu'on va se faire le babe au niveau 30 dans cet épisode? En vrai,
Bon, bah, ça va dépendre, mais niveau 24, 25, 25, 5 niveaux en une VOD, ça me paraît tendax, hein. En vrai, j'ai un super bonbon, s'il faut lui faire passer 4 niveaux plus 1, ça peut se faire. J'ai deux super bonbons. J'ai deux super bonbons, j'en ai un du second du prof, qu'on m'a filé dans la piste cyclable, et j'en ai un dans la grotte. Donc non, je peux gérer en fait. Si je prends 3 niveaux, s'il faut, babe, je peux le faire évoluer. On va gérer. Allez, ça part. Trouver une super potion. Ah bah voilà. Là en écoutant. Et d'accord. Et là c'est une descente. Comment j'y vais au-dessus? Comment j'y vais? Attends, parce que j'ai vu à côté il y a encore une grotte. Je suis reparti pour une grotte là. Là je vais me refaire une grotte à nouveau. Oh, mamma mia. Sanku Kai qui est parti pour devenir mon main, mais à l'infini pour les prochains épisodes là. Oh, mais mec. Mais en fait, si j'avais toujours mon Major Pingu, il serait déjà level 45. Hein. Heureusement que ta team évolue avec toi. Hein. Tchou. Sinon, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, on a Archéomir depuis l'épisode précédent, j'avais oublié lui. Gyrobal, alors voyons voir. Gyrobal. Lanceur effectue une rotation et frappe l'ennemi, plus la vitesse du lanceur est basse par rapport à celle de sa cible, plus on affiche de dégâts. Ok. Bah ouais, ok. Et du coup ça veut dire qu'il faut que plus il soit lent, plus ça fait bobo. Ok. Est-ce que j'ai une cape pour baisser ma vitesse? Moi je veux bien hein. Où il a un Archéomir le con? Où il a un Archéomir? Ah, attends, Archéomir, je crois que c'est Babe. Allez, ça part. Viens te battre! Viens te battre! Graou! Non, par une folie, pitié! Ah, la confusion, c'est la pire chose! Tu vois qu'il y a pas bien. Parce que le poison, tu passes au travers, la paralysie, tu passes en partie au travers. Mais alors, la confusion. Non seulement tu auras des attaques, mais en plus tu te blesses, vas-y. Ok, ça s'est bien passé. C'est bon. Donc ouais, comment je vais jeter dessus là? Attends. Tac 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 tac. Ah c'est là. Ah ah. J'ai failli louper tout un segment. Rachid, comment va? Je porte des shorts toute l'année et j'ai de l'énergie à vendre. Bah moi aussi. Tu manges quoi? Je mange pas. Il est 19h16, je mange pas. Ah, ce soir? Ah, bah, je me suis fait un petit chili hier maison avec ma copine. Du coup, il en reste une ou deux parts. Ce soir, c'est chili, hein. Ah, où je me fais un petit poulet champignon. Je sais pas. On va voir, je sais pas. Je me suis pas posé la question, je t'avoue. Par contre, j'ai vu qu'il y avait la dernière partie de Arcane qui était sortie, la série de League of Legends là sur Netflix. Et je l'ai à peine maté la dernière fois. Enfin, j'ai à peine maté l'épisode 1, je veux dire. Un peu en diagonale. Donc, je sais pas, je vais peut-être l'engager pour de vrai ce soir vu que la saison est finie. Soit ça, soit. Soit Hellbound. On verra, c'est pas la question. Wistikram! Yay! Oh, d'ailleurs, attends, ça fait une éternité que j'ai pas vu Steph, le rival. Oh, c'est stylé! Oh, la roue de feu, elle est classe! Mais quand je vais le revoir, oh putain, il aurait évolué de ouf! Et son tortipou, ça va être un calvaire! Oh, bordel! Mimi Macri, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui est bien contre le type plante concrètement? Que je me donne une idée là, parce que. J'ai beaucoup de Pokémon que je peux pas trop gérer en fait. Ok, ah, il y a escalade dans ce Pokémon là. D'accord. Alors, Jennifer la combattante. Enfin, une nana qui a un vrai nom. Enfin, pas que les autres ont pas des vrais noms. Mais je veux dire, un nom qui fasse pas trop.
À qui passe, quoi? Richard, Hervé, Jontiane. Excuse-moi, hein. Qui porte ces prénoms-là dans la vraie vie? Enfin, c'est... Pas contre vous, hein. Mais vraiment, si vous avez ces noms-là, vos parents ont des idées vieillissantes, hein. Pfiou, c'est chaud. La 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 la... Point. Allez, Machoc. Prêt. Let's go. On est là. Sankuka est niveau 25. Il va prendre plaquage. Waouh. Sankuka qui va sauter de la quatrième corde. Elle n'existe pas. Lanceur se laisse tomber sur l'ennemi de tout son poids. Ah oui, effectivement. Putain, c'est vrai que je lui donne des potions à Sankuka, mais il a la capacité soin en fait. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. Parce que coup de boost, c'est quand même une capacité que j'utilise beaucoup. Et là, je viens de l'oublier au détriment d'une autre capacité normale. Je sais pas. Super bonbon, efficace. J'entends me dire que j'ai le cherche-objet en fait, que j'utilise pas. Alors, voilà, ça c'est le cherche-objet. Je connais un proverbe qui dit rire pour attraper le bonheur. Du coup, c'est moi le bonheur? Je suis le bonheur? Enchanté. Alfred le montagnard envoie un racaillou. Alfred! Puis Shavao et Wayne. J'ai même pas encore engagé la grotte. Que genre, ils m'ont défoncé tous mes pépés. À part qu'on fasse un petit retour en ville. Hein. Parce que je sais pas, elle va être longue comment la grotte et là. Mais vas-y, mais Sankuka, en fait, il se tape tout le monde. En même temps, je me tape que des petits proches. Donc pour le moment, pas fou dingue. Hein. Arkeomir qui a la dernière place. Arkeomir que je vais pas forcément garder sur la durée. Hein, je réfléchis. Tap. Tap. Allez, babe. S'il faut, tu vas essayer de passer ton niveau 27, toi, dans ce combat. J'ai 3 super bonbons. C'est-à-dire que dès l'instant où il passe au niveau 27, si je veux, je peux directement le faire passer en Luxray. Cela dit, en Luxyria. En Luxyria, parce que c'est une fille. S'il vous plaît, le respect. Oh, d'ailleurs, j'avais pas vu. J'ai un full Gengirls. J'ai un GG, j'ai un Gengirls. Vas-y. Envoie le racaillou, je veux savoir si j'ai des attaques efficaces contre un racaillou, parce que bon. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est pas comme si j'utilisais tout le temps Sankuka, mais bon, quand même. Allez, vas-y. Allez, ça part. Vous avez battu Alfred? Oui. Oui, merci. Aïe, aïe, aïe. Ok, Alfred, check. Capsule muscle plus. Ouais. Bah, tip top. Ah oui, donc là il me faut escalade, donc je reviendrai plus tard. Ok. Mmh.
Let's go. Alors, 6 points sur les niveaux de chacun. Sangukai évolue dans 5 niveaux. C'est fini. Babe, 4 niveaux. Charmion, c'est fini. Minimakri, je crois qu'on m'a dit 34 ou 36. Ou 38. Autour de la trentaine. Et Arkeomir, il y en a pour un moment. Arkeomir, je me tâte. Hein. Ah, en vrai, il a choc mental. Hein. En vrai, il a des trucs. Il a des trucs. Le bail, c'est que pour le moment, en fait, vu que tous les ennemis sont en base de full roche, ou full insecte, ou enfin full faible à l'eau, j'ai pas forcément le choix du Pokémon que je mets en prums, quoi. Donc je fais full la même strat, en fait. Ah ! On y voit clair ! Oh ! Donc le Mook couronné, c'est pour aller voir un légendaire. En même temps, ça ressemble à une sorte de panthéon, mais je pensais vraiment que c'était... Frimapic. Ouais, ça ressemble à un panthéon, je disais. Mais je pensais vraiment que c'était le rig du lac Savoie. Un des lacs symbolisant la richesse en eau de la région de Sinnoh. Il y a 3 lacs normalement dans le jeu. Il y a ce lac, il y a ce lac là aussi. Lac de la vérité et un lac que je vois là. Lac du courage. Ouais. Mais je pensais que... Mais du coup, c'est où le mont Abrut. Attends, du coup, c'est où la Ligue Pokémon? Ah, c'est là, la Ligue Pokémon! Ah, il y a quand même une bonne traversée, hein! Ok, bon. Moi, je me rappelle d'un sacré passage... Tiens, tiens. Dans une grotte. Une théorie voudrait que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu. Je ne parle pas des combats Pokémon, mais des conflits de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. D'accord. Bonne journée, hein. Tip top. Voilà, voilà, un grand moment. Un moment de partage, un moment unique, un moment d'amour, de sagesse, de... Un moment d'huile. Un moment d'huile. Attends. Quoi? Ah, parce que... Là, je viens de voir que, en gros... Genre, j'allais aller en bas et éclater les cailloux avec Éclatroc. En fait, genre, les deux chemins mènent au même, en fait. Attends. Mais oui. Et du coup, plus tard, quand j'aurai la cape, il faudra que je revienne ici. D'accord. Ok. Eh ben, quand on aura ce qu'il faut. Bonjour Paris. Ouh, c'est blanc. Ouh, c'est blanc. Oh, mes yeux. Bonjour. Route 208. Alors, que se passe-t-il? Mais c'est un peu vénère ici, quand même. Ah. Tu crois vraiment capable de te battre? Eh ben, allons-y. Par contre, ce qui est cool, c'est que vu que cette version de Pokémon est très mise en scène, il y a beaucoup de petites ciné, de plans de caméra et tout machin, avec la 3D et tout, c'est cool. Pour les minions, ça va pas être dur. Ça va pas être dur du tout. Rakaillou. Bah écoute, let's go, hein. Bon, j'ai pas grand chose d'efficace contre un caillou, hein. N'est-ce pas, Sainte-Cocouille? Eh bien, Nyokesma qui nous rejoigne. Il est 19h27. On aura joué... Alors là, on en a 6h20. J'aurai fini cette VOD, on sera vers 7h30. Encore une petite heure, je pense. Sort de faire à chaque fois des VOD de genre 1h, 1h30. Ouais, je pense pas mal. Ça permet de bien avancer, en fait. Bonsoir. Oh, toi.
Toi déjà t'es sur un style un peu différent. Toi tu te bats avec des Pokémon de type Meditica ou Clion de style combat, tu vois. Machoke. J'ai dit Kiklion. Non, c'est Kikli. Oui, c'est Kikli. Kiklion. Oh, j'ai fait une fusion. Pourquoi? Alors. On va le battre sur son terrain. Plaquage! Oh, il a fait balayette. Aïe. Apparemment, je crois qu'il a utilisé son point. Normalement, c'est le pied qu'on utilise. J'ai tout vu, hein, monsieur l'arbitre. Attention, la cage! Y'a moyen de l'alourdir, genre? Mais oui, ils utilisent son point pour utiliser une attaque de pied, ça n'a aucun sens! Par contre, les fonds dans les combats sont vraiment magnifiques. Alors, j'irai pas jusqu'à dire magnifique, mais ça va. Moi, je les trouve trop fixes. C'est ce que je disais la dernière fois, mais genre, je trouve le jeu assez inégal en fait. Y'a des points sur lesquels il est quand même joli. Mais en fait, encore une fois, nous on joue en version dockée pour pouvoir rec et donc stream tout ça. Mais là où c'est vraiment intéressant d'y jouer, c'est en version portable, c'est sûr. C'est sûr. C'est là où on y trouve vraiment tout l'intérêt. Sorry. En tout cas, je suis content de l'avoir acheté sur Switch parce que vu que je l'ai plus sur DS, c'est vraiment la diff. Hein. Je sais pas si ça vaut les 45€ que je dépensais pour le jeu, mais bon. En fait. C'est pas que ça vaut pas ou quoi, c'est que de toute façon c'est le même prix si tu le trouves aujourd'hui d'occasion sur DS. Donc à ce niveau là, si t'as la Switch, tu l'as sur la meilleure version, tu vois. Enfin en tout cas sur la version la plus moderne. Je vais pas dire meilleure version. En tout cas attention, la version DS est encore très fraîche aujourd'hui. D'ailleurs les jeux de DS n'ont pas vieilli, hein. Vraiment, c'est un délire. Les jeux de DS sont toujours incroyables. Ah la DS, qu'est-ce que j'aime cette console. On va y revenir, hein. On va y revenir. En ce moment, je suis en manque de rétro gaming. En fait, on joue beaucoup à des jeux récents. Des jeux récents, mais des jeux, des remasters, des remakes ou des reboots de beaucoup de jeux. Et du coup, ça me donne envie de repartir faire pas mal de vieux jeux en arrière. Surtout que depuis les annonces d'Xbox pour rendre rétro-compatible la plupart des jeux qui n'étaient pas encore compatibles, même optimiser les FPS, le HDR, la qualité, tout ça, le rendu, bref. J'ai très très envie de me relancer dans un vieux truc. Je sais pas encore quoi. Ça fait un moment que je veux relancer les Final Fantasy. Mais j'aimerais bien jouer au Pixel Remaster. Le problème, c'est que vas-y, 20 balles par jeu. Ça pique. Sachant qu'il y en a 5. En vrai, je crois que t'as un pack où tu peux tous les avoir pour 60 balles. Ou un truc comme ça. Mais vas-y, ça fait cher quand même. C'est pas 20 balles, ça doit être 15 balles. Ça doit être 15 balles. Méga Sensu, une attaque qui convertit à moitié des dégâts infligés en PV. Ça part. Moi j'ai mis 130€ parce que je suis nostalgique. 130€ dans quoi? 130€ dans quoi? Ah oui, tu l'avais dit, je crois que t'as acheté le pack Pokémon Diamant Perle avec le guide, c'est ça? Non, moi je l'aurais pas fait, enfin... En vrai, je comptais acheter le jeu pour ma copine, donc bon. Amide, voilà, mais bon. Je me dis que... Enfin, c'est elle-même qui me l'a dit, hein, elle n'a pas le temps de jouer. Le temps qu'elle trouve le temps, moi, j'aurais fini ce jeu, donc en fait, elle pourrait y jouer tranquillement, tu vois. Surtout qu'elle est plutôt du style à vouloir jouer en portable. Ah! L'agression! Un psycho-crack? Psycho-crack! Psycho-psycho-psycho-crack. Psycho-crack. Ça c'est un bon coup, c'est quoi? Plaquage! Attention! Hurré! Par contre, du coup, oh, attends, il est niveau 18. J'ai pas vu ma barre d'XP. Moi, il est bien engagé. On voyait pas ma barre d'XP, hein, mais du coup, attends. Voilà, ma barre d'XP elle est quasiment finie. Enfin, finie. J'ai dit donc que j'ai entamé le gros morceau. Ouais, maintenant on a mieux. Bon, maintenant que j'ai passé la plupart des Pokémon de type roche. Oula, calme-toi, calmez-vous. Voilà. Oh, des baies. Les baies nanab. Elles sont belles les baies, hein. Les baies, par contre, elles sont sympas. Nintendo, c'est quand même les mecs qui continuent de sortir des jeux récents. À les vendre au prix fort. Les suites
de suite. Donc c'est vraiment des licences genre qui datent de ton grand-père, tu vois. Qui continue de les vendre au prix fort et qui graphiquement n'évolue pas plus que ça, mais il continue de faire le plus de ventes du monde en fait. Comme quoi, c'est ce qu'on disait, hein. Pour plusieurs jeux, mais c'est pas l'aspect graphique qui prime. Hein. On aime tous les Dark Souls et pourtant, alors aujourd'hui ça a évolué, hein. Mais pendant un temps, les jeux From Software, les Souls-like, c'était pas les jeux les plus beaux du monde, hein. Ça a bien changé. Hein. Ah là là. Aujourd'hui, ils sont très très stylisés. Mais dans leur DA général. Ok, on arrose le tout. Ouais. On a passé cette mode des jeux beaux et qui se vendent juste parce qu'ils sont beaux. Ah, le jeu vidéo, quel monde incroyable. Bref, madame, bonjour. Mais acceptez-vous de me parler, merci. Est-ce que j'ai changé mon Pokémon starter? Enfin, mon Pokémon numéro 1, je crois pas. Hein. Fais chier. Marissa. L'aromathérapeute. Il y a beaucoup d'aromathérapeutes, hein. Oh! Oh, mais j'avais parlé de Dardarmian, mais en fait, c'est ce Pokémon-là qu'on va croiser dans l'arbre. J'ai mis du miel dans un arbre et je me suis barré. Mais oui! J'avais oublié qu'il y avait des Apitrini. Il est mignon, Apitrini. Il fait pas du tout Pokémon, mais... il est très mignon. Pokémon, c'est vraiment l'un des rares jeux que tu peux farmer dans ton lit à l'infini, genre. Aujourd'hui, on aura fait un stream de presque 8 heures, mais en vérité, vas-y, toujours dans ton lit, tu doubles. Oh, Roselia! Oh, Roselia! La cage! Flemme de changer. Après, vaut mieux avoir un jeu moins beau mais fluide et bien optimisé qu'un jeu beau mais en pitoy. C'est vrai. Après, pour moi, on a passé ce cap, justement. Il y a eu une période entre la génération 3.6 et PS3 jusqu'à mi-PS4 Xbox One où on avait pas mal de jeux justement de ce genre qui étaient très beaux mais mal optimisés ou alors qui étaient très beaux mais pas ouf et qu'on avait des jeux justement pas forcément très classieux au premier abord mais par contre très travaillés et ça faisait la diff. Et ouais, je trouve qu'on a passé ce cap. Aujourd'hui, on arrive à pas mal mixer l'ensemble. Après, on est aussi à une génération où on a beaucoup de jeux next-gen qui sont véritablement next-gen en fait. La PSN et la One, c'était le premier pas là-dedans, avec la possibilité d'avoir des vraies résolutions de jeux qu'on avait déjà sur PC par exemple depuis des années. J'ai jamais forcément été un gros joueur PC, mais ça fait longtemps que je joue un peu sur PC, donc je me rends compte quand même de la différence notable. Maintenant, moi je suis pas un PCiste Master Race, tu vois, je suis pas gros joueur PC et qui joue à rien d'autre. Moi je suis un multiplateforme. Là on est sur Switch, il y a une semaine on était sur Xbox, la semaine d'encore avant on était sur PlayStation 4, tu vois, genre... Et encore avant on était sur PC. Bref, je bouge tout le temps. Le seul support sur lequel je joue pas, c'est le téléphone, parce que j'y trouve pas d'intérêt. Pour moi, les jeux téléphone, ça remplacera jamais les jeux consoles, c'est pas le même style de jeu, c'est pas la même attente. Vraiment, les jeux téléphone, c'est jouer pour les personnes qui n'ont pas le temps, mais qui tiennent quand même à avoir cette idée d'être joueur, tu vois. Mais du coup, je viens de me rendre compte que c'était un dresseur, lui. Je pensais qu'il voulait me parler d'un bail. Achille l'artiste, pardon. Je vais dire l'architeste. L'archi... Je suis fatigué. Oh, il y a Mime Junior. Oh, il est mignon. J'aime pas Monsieur Mime, mais j'aime Mime Junior. Il est mignon. Go, il est 27. Go. On va y arriver, hein. Babe, tu vas évoluer. En tout cas, mes objectifs du jour seront accomplis. Objectif du jour, on avait dit bicyclette, deuxième badge, niveau 30 avec au moins Babe pour le faire évoluer. Et voilà, dans l'ensemble, voilà. Non mais je suis content, on avance bien. Après, je rappelle encore une fois, YouTube, si jamais tu te poses la question... Je suis pas là pour proposer l'aventure la plus optimisée, la plus incroyable en termes de performance. Oh, il a un bonsaï. Oh, c'est vrai que ça existe aussi dans cette version incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est leur première apparition, eux deux. En fait, je crois que la 4ème gen, elle amène pas mal de prévolution. Genre les Pokémon avant ceux que tu connais. Parce que vraiment, Manzai s'est évolué en Simularbe et Mime Junior en Monsieur Mime. Mais je crois qu'ils n'existaient pas avant cette version. Bref. Mais ouais, je trouve qu'on est bon. Il y
y a un jeu sur lequel je reviendrai bien. Un jeu que j'ai jamais fini parce que, en fait, je tenais absolument à le faire en série et finalement, je l'ai pas fait parce que j'étais pas bien investi dans le jeu et parce qu'en fait, le jeu est trop complet, mais il était grave cool. C'est Nexomon. Oh, j'ai adoré Nexomon. Nexomon, genre, j'ai fait, un bon quart du jeu. Et ça prend du temps, tu sais. Parce que tu peux te perdre très très fort. Mais je le trouvais grave sympa. Et je le referais bien, mais juste pour vous. Tout le monde m'appelle le maître des baies. Ah, chaque jour je distribue des baies dans l'espoir que des gens réalisent à quel point elles sont formidables. Tiens, tu la mérites. La baie nananana. Attends, quoi? Est-ce que tu fais partie des gens tête en l'air qui oublient où ils ont planté leur baie? Oui et non. J'en étais sûr, je suis comme toi. Dans ce cas, utilise la carte pour voir où elles sont. Attends, quoi? Utilise la carte. Quoi? Mais quoi? C'est quoi ça? Attends, mais sur la carte on peut voir les baies maintenant? Mais c'est génial! Mais ça c'est quoi? Oh, c'est mon arbre à miel! Incroyable! Oh, mais c'est génial! Les mecs, j'ai envie d'y retourner pour aller chercher mon arbre à miel. Est-ce que tu veux des baies? Elles ont toutes été cultivées avec soin. Ah, c'est gentil, mais non, là, j'en trouve plein sur la route. Oh, incroyable! Ah bah, j'irai faire mes récoltes avant de... Oh, terrible! Donc on peut... Mais c'est trop bien. On peut voir où sont tous nos baies et tout. Mais ça, tu vois, ça, c'est des trucs qui sont vachement cool, je trouve. Qui n'existaient pas avant, mais qui sont bien existés. Ça va, toi? D'accord, il m'a dit ne dis rien, accepte juste ça. Clé de voûte, qu'est-ce qu'il m'a filé, lui? Mec chelou, lui. Poche objet. Alors, je suis obligé de jouer avec les flèches, parce que si je joue avec le joystick, je fais n'importe quoi dans le menu. Ok, il faut rester dessus. Clé de voûte, ah, oh, ça me dit un truc. Quoi? Un objet très important qui empêche une tour en pierre de s'écrouler. Des voix en sortent parfois. Pardon? Pour un légendaire? What? Attends, on m'a donné un objet qui a l'air d'être un objet incroyable. Oula. Chérie, trouvez magnifique. Comme dit Oniopolis, je réponds tout de go. Super choc en cours. Oh! Je vais d'ailleurs y inscrire mon Pokémon chérie. Oh mais oui! Oniopolis est une ville géniale. Chaque année, elle est élue ville la plus grosse agréable de Sinnoh. Oh, oui! Clé de voûte, effectivement, c'est pour un certain Pokémon. D'accord. Tiens. Scénarium. Hein? La poreille? Oh, bonjour. Oh, heureusement que tu étais là. Sans toi, mon Laporeille se serait enfui. Allez, petit Laporeille, rentre dans ta Pokéball, s'il te plaît. Alors, par contre, s'il s'est enfui, pose-toi des questions, meuf. Vraiment. Je m'appelle Karine, je suis l'une des juges du Super Show Concours. On l'a pas déjà vu, à féliciter, elle. Passe à la salle de concours, je te remercierai comme il se doit. Oh oui. Oh, les concours! Trop bien! Attends, y'a quoi par là? Ah, on m'empêche de passer. On va comme ça au moins. Je viens de loin pour participer au Super Show Concours. Hey! J'ai donné beaucoup de profits à mes Pokémon! Je suis confiante, on va avoir sensation au Super Show! Oh yeah. Et toi? J'hésite à aller voir le Super Show Concours ou visiter les ruines de Bonville. En tant que caméraman, j'adore voir toutes sortes de Pokémon participer au Super Show Concours. C'est très intéressant à filmer. Les ruines de Bovin. Maintenant, Pokémon Jardin Trophée. Verchamp. Ah, Bonville, pardon. Pas Bonvin, Bonvin. Rendez-vous à la salle de concours. J'ai rien dit, hein, mais dans ma tête, j'ai vu marquer celle de couscous. Allons-y. Oui, les concours, je suis content. Et un et deux, et on fait un pas en avant. Et un et deux, et on saute. Et on tourne. Terrible. Oh, il y a un baby. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu peux te mesurer à d'autres dresseurs, soit en les affrontant dans l'arène, soit en participant au super show concours. Trop cool. Ah, il bloque le passage. Salut, est-ce que tu veux un œuf de Pokémon? Donc, j'avais raison.
Au début de l'aventure, j'ai dit que dans tous les jeux Pokémon, il y avait un œuf à un moment à gérer. Et on m'a dit, oui, c'est l'œuf de Manaphy. Et j'ai dit, c'est pas possible, vu que l'œuf de Manaphy, c'est un œuf événement. Ah merde. Ah merde, attends. Donc, il y a bien quelqu'un qui te file un œuf. Ok, tip top. Tip top, moins tip top. Moins tip top. Bah écoute, de toute façon, je me bats pas avec Charmion officiellement. J'ai tellement pas de Pokémon dans mon Pokédex. Enfin, dans mon PC. Salut, salut, œuf Pokémon, tac, tac, tac. Donc, il y a bien un œuf Pokémon, je savais. Ok. C'est un œuf de Yoshi. Si tu mets dans ton équipe et tu le promènes avec... Ok. Si mes souvenirs sont bons, c'est le professeur Orme de Johto qui a dit que c'était... Que ça... Quoi? D'un colloque? C'est quoi un colloque? Ok, j'ai bugué sur le mot colloque. Ah! Toi, tu m'offres la super canne. Je viens de la région de Hoenn, je suis venu visiter la ville. Je voulais me rendre à la salle de concours, mais je me suis perdu. Heureusement, les gens du coin ont eu la gentillesse de m'indiquer le chemin. C'est fou comme ils sont gentils, généreux avec les inconnus. Bref, tu veux que je te guide jusqu'à la salle de concours? Ah, merci. Ok, comme ça on va visiter nous-mêmes. Alors, le fan club Pokémon, pour ceux qui adorent les Pokémon, voyons voir. Donc là, on est à l'une des villes les plus importantes du jeu, parce qu'il y a plein de choses à y faire. Oh, oh, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Oh, j'aime bien. Bonjour. Oh, 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 bonjour. Je suis le président du fan club Pokémon. Eh oui, c'est bien moi. Dis-moi, est-ce que tu offres des friandises à tes Pokémon? Tout à fait. Pour ma part, si je puis me permettre, je leur donne des Poffins. Ah, c'est de ça qu'on parlait, les Poffins. Tout simplement parce que donner des Poffins, c'est une belle preuve d'affection, vois-tu. Comment dire, lorsqu'un Pokémon mange un Poffin sucré, il devient plus gracieux. Et plus gras. Et lorsqu'il mange un Poffin épicé, il gagne en sang-froid. Ah, disons qu'il a la bouche qui pique, quoi. Et donc, à mon avis, les Poffins font beaucoup de bien aux Pokémon. C'est pour cela que je te fais cadeau de cette magnifique boîte à Poffins. Vous obtenez la boîte à Poffins. Incroyable. Je t'encourage à la remplir de Poffins. Alors, je sais plus comment ça fonctionne, c'est pas des mix de... Comment ça s'appelle? C'est pas des mix de B, ça? La boîte à Poffins. Alors, favori, du coup, ça sert à rien. Si, ça sert à retrouver les objets plus rapidement, mais... Ouais. Sectionner, assigner. Voilà, moi, c'est ça que je voulais faire dès le début du jeu. Alors, on va regarder ça. La boîte à Poffins. Choisis un Poffin. J'ai pas de Poffin. J'ai pas de Poffin, mais comment je fais un Poffin? Mes discours enflammés sur... Ok. Oui, je savais bien. Il y a d'autres fan club Pokémon dans les autres régions, effectivement. Comment je fais un Poffin? Ok. Il commence à t'apprécier, du moins, c'est mon impression. Ah, Sankukai! Je t'aime, moi aussi. Mince, comment je fais un Poffin? Y a pas d'explication? Suivant. Ouais, mais non, mais ça, je sais. Ah, oh, je suis triste, je peux pas faire de Poffin. Je sais pas comment on fait. Bouh! Je veux faire des Poffins. Bienvenue, merci. Pokéball, soin ball, filet ball, faible ball. En vrai, j'ai pas mal de sous, mais j'ai pas forcément beaucoup de choses à dépenser, donc je vais garder ma maille. Parce que s'il faut, pour la partie concours, je vais peut-être avoir besoin de sous, je sais plus. Je sens ma poussette s'alourdir un peu plus chaque jour. Je me demande de quel Pokémon mon enfant ça va s'enticher en premier. C'est où il y a des bébés? Papa, maman. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un bébé. Non mais vraiment, je crois, ça me dit rien. Pourquoi j'ai l'impression que c'est ici qu'on fait des Poffins? J'ai vu une machine, ça a l'air incroyable. Est-ce que tu as des baies? Une baie rare, c'est l'ingrédient clé pour obtenir un délicieux Poffin. Tes Poffins seront meilleurs si tu remues la pâte rapidement, tout en faisant attention à ce qu'elle ne déborde pas. Les bons petits plats donnent du tonus et de la joie aux êtres humains comme aux Pokémon. De ce point de vue, nous sommes identiques. Tout à fait. C'est l'amour ici! Salut, on passe au fourneau. Voici mes conseils pour faire de délicieux Poffins pour tes Pokémon. Au départ, quand la pâte est liquide, mélange-la doucement en évitant d'en renverser. Quand la pâte commence à épaissir, remue-la énergiquement en faisant de grands cercles. Enfin, chantonne « Je cuisine des Poffins » tout en continuant à remuer. D'accord, je ferai pas ça. Peut-être au début, on verra. Ici, vous pouvez utiliser vos baies pour confectionner des Poffins. Oui! Ça part! Attention!
Ok. Il se passe quoi? Je fais quoi? C'est parti. C'est cooking, mama. Je cuisine des pauvres. Pardon. Je l'avais dit, hein. Possiblement. Oh, c'est sympa. On change de sens. Ok. Let's go. Ok. On évite que ça déborde. Ah, ça va, parce qu'en fait, tout ça, à la base, tu le faisais au stylet. Et je trouve qu'ils ont bien adapté le bail. Ok. Oui. Ok. Je sais pas si je le fais bien. En tout cas, ça déborde pas, hein. C'est ce qu'il faut savoir. On est good. On est good. Oula. Changement de sens. Ça a brûlé plus vite. Ah, quoi. Ah, mais pas trop vite, les gars. Si je le fais plus vite, ça déborde. Changement de sens. Ça a brûlé plus vite. Mais mec, je suis au bord du bail là. C'est prêt. J'ai pas été bon, c'est ça. La pâte a débordé. Non, la pâte a brûlé. Non. Ok, bon, j'étais bon. Ok. Donc j'ai un pot fin âpre épicé. Ok. Attends, je m'en refais un deuxième. Les gars, la maîtrise du profane. La maîtrise du profane. Par contre, c'est cool de savoir que les arbres rabais sont balisés. Ainsi que la récolte quand elle est possible. Du coup, ce que je ferais, c'est qu'en off, je vais aller chercher les baies. Je vais possiblement farmer un peu les baies. Ok. Par contre, ça fonctionne un peu moins bien qu'au stylet, je trouve. Ça marche, hein. Mais pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Ok, ok, ralentissez un peu. Ralentissez, accélérez. Mettez-vous d'accord. Allez, let's go. Je sais pas s'il y a moyen de savoir si on fait un super truc ou si c'est un truc genre correct, tu vois. Allez, 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 allez. On est bon. On est bon. On fait attention, j'ai dit. Oula, ça va brûler plus vite. Mais il m'a dit que j'étais trop rapide. Mettez-vous d'accord. Non. J'ai ralenti. C'est bon. Ok, on est nice. Pauvre épicé amer. Super, en fait je fais que des trucs dégueux, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Non, ça ira. Bon bah tip top. Et du coup j'en ai fait plusieurs. Attends, comment ça fonctionne? Comme ça, comme ça. Oh bah non, mais j'en ai plein. Oui c'est ça, ok, j'en ai fait plein. Clac, clac, clac. Niveau 18 et niveau 9. Ok. Et ben let's go. Je sais pas, qui en veut? Il est content ou pas si j'en donne? Oh, il aime ça, je crois. À manger le pauvre. Ok. Oh purée, c'est vrai que les pauvres, ça joue sur ses stats. Les stats qui permettent de gérer les concours. Oh, c'est quoi? Attends, il y a une cathédrale. Mais quoi? Pardon, excusez-moi, j'ai paniqué. Ok. Il passe. Fait peur. Il est naturel que les Pokémon et les êtres humains soient différents. Ne juge jamais un Pokémon sa force ou sa faiblesse. Tu dois chercher la bonté au fond de son cœur. C'est tout ce qui compte. En fait, il y a un truc qui est très important dans Pokémon Diamant et Perle. C'est que ça amène une partie de l'histoire du world, du lore Pokémon qui est très très important à propos des divinités de base, notamment Arceus. C'est vraiment un cercle merveilleux. Arceus, Dialga, Palkia, c'est vraiment genre les légendaires un peu primaires, tu vois. Les êtres humains ne peuvent vivre seuls et doivent apprendre à être généreux entre eux. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent envisager un avenir radieux. Le passé compte toutefois des moments de douleur et de tristesse, mais le temps et la vie finissent parfois par panser les plaies. C'est très silencieux, c'est perturbant. Je comprends, hein, il y a une symbolique, mais ça va un peu. Hein. Il existe des mots qu'on utilise partout dans le monde, mais qu'on ne saurait complètement décrire. Des mots comme amour et joie. D'accord. Quand je pense à mon père, mon fils et moi, je me dis c'est ça la vie. Et quand je pense à la nature et aux Pokémon, je me dis c'est ça le monde. Ok. C'était très pesant en fait. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. J'ai l'impression qu'il y avait un truc à y faire. Bon. Yes, je vais pouvoir me soigner. Poupidoupidou. Poup poup.
On en a à 50 minutes. On va continuer d'explorer un petit peu la ville et je pense qu'on va avoir le temps de se faire un concours. J'ai pas le souvenir que les concours soient très très longs, une bonne dizaine de minutes, je crois. On va voir, on va voir. Alors, comment qu'est-ce que ça fonctionne, madame? On va installer l'union police. Après mon mariage, mon fiancé préfère Voilrock à cause du centre commercial. Ah, donc c'est au centre, c'est à Voilrock qu'il y aura le centre commercial, parfait. Je vais me balader au square paisible avec mon pas chéré aujourd'hui et on a trouvé un joli seau. Ah, cool. Attends. Le square plaisir. C'est un parc de promenade, genre? Je me rappelle pas. Sympa. Sympa. J'ai envie d'y aller. Attends. J'irai me promener avec... C'est la championne, elle. Elle a la gueule d'une championne. Je vais finir de visiter. Et ensuite, on verra... Bonsoir. Si on fait le square paisible ou pas. Salut! Eh, mais attends, on se connaît, non? C'est pas la nana qui m'a donné... Qu'est-ce qu'elle m'a donné, déjà? Attends. Je l'ai vu à féliciter, elle m'a donné un truc pour la Pokémontre. Elle m'a donné... Putain, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Oui, c'est ça, c'est elle. Tu m'as tellement impressionné que je me suis permis de faire quelques recherches sur toi. Et je peux te dire que je n'ai pas été déçu. Alors comme ça, tu connais le célèbre professeur Smoker? Et tu voyages d'arène en arène en écrasant sans pitié tous les champions que tu croises? Franchement, t'as grave la classe. Ouais, pardon, on dirait que je suis en train de faire un monologue, désolé. Sous un de moi, je m'appelle Amel. Ah oui, bah elle avait pas de nom. Mais si, tu sais, c'est moi qui t'ai donné tes capsules balls. C'est ça! Elle m'a donné de quoi faire mes pokéballs. Enfin, les designs. Et attends, quoi? Elle m'a dit un truc que j'ai pas vu. Mon pote Léo qui a développé ce système. Ah, Léo! El Famoso! Ok. Ok. Léo, c'est le gars qui a créé les PC dans les Pokémon. Tout le monde connaît Léo. Le but dans la vie, c'est de décorer ma base secrète avec un max de statues. Donc lui, il passe des souterrains, tellement de sauts. Ok, les capsules ball. Y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. J'ai obtenu assez tes forces à la tour perdue. Celle-ci se trouve sur la route 209 sur le chemin de Bonville. Donc ça, c'est encore le square paisible. Alors, attends. Parce que la CT Force est vers Bonville. Merde. Attends. Et quand j'aurai la CT Force, il faudra que je fasse un retour pour aller en dessous de la piste cyclable. Bonville, c'est là. Donc c'est vers l'est. De toute façon, je peux pas aller vers l'est, donc j'ai pas fait la championne d'arène. Et je parie que la championne d'arène, c'est la nana qu'on a vue tout à l'heure. Attends. On finit notre petit tour. Ok. Et normalement, c'est le dernier bâtiment que je n'ai pas visité. Après, on sera bon. Bienvenue, les Kazma, installez-vous. Installez-vous. Je sais pas si on refait une VOD encore derrière. En vrai, je suis chaud. Je suis chaud pour jouer jusqu'à pas d'heure. Le bail, c'est que si je fais ça, je vais me coucher tard. Parce qu'il faudra gérer les montages derrière. On va voir. On va d'abord finir cet épisode et on verra ensuite comment je me sens. Mais je ferai bien un dernier épisode ensuite. Oula! Oh, elle fait peur. Oh, je suis... Oh, so sorry. Vraiment, je ne sais plus où me mettre. Tu comptes participer au Super Show concours? Tu vas voir, ça va être fun. Hi hi. Il s'avère que Chimera, la championne d'arène du Nopolis, est aussi une pro du Super Show. Ok. Je sais de quoi je parle, parce que c'est moi, Chimera. Eh oui, it's me. Tu veux me défier? Why not? Mais d'abord, tu dois devenir plus fort. D'abord, je dois devenir plus fort. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire que je suis obligé de passer par... par la case show concours? C'est ça? Attends, je veux juste savoir. Apparemment, ça marche, hein? Bonsoir. Salut, jeune dresseur. J'imagine que tu es venu défier la championne d'arène. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'ascenseur. Eh bien, ça m'a dit de te le dire, mais ça va pas être possible. Tu te demandes sûrement pourquoi. La réponse est simple. La championne n'est pas là. On va une autre fois, d'accord? Ah, donc je peux pas... C'est bien ce que je pensais. Ok, donc à mon avis, je suis obligé de faire le super show concours. Et ben, let's go! Après tout, elle est fan, donc allons-y. Elle était clairement devant ça, donc je pense que t'es obligé d'y aller. Ah, te voilà, parfait. Maman? Oh, Tigasma, ça va mon loulou? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Attends, non, ce n'est pas possible. Ingrid est ta mère. Mais alors, tu dois connaître le super show concours sur le bout des doigts. Oh, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé du super show concours à Tikazma. Mamie, qu'est-ce que tu me caches? Je ne savais pas que vous connaissiez. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Je dois te remercier pour tout à l'heure. Prends ceci. Mais, merci.
Maman! Maman! Colle ce saut sur la capsule boot d'un Pokémon afin de faire participer à un concours. Effet garanti, tu verras. Et si tu participes au Super Show concours, comme je te l'ai dit, je fais partie du jury. Tu verras, on s'y amuse bien. Je crois que t'as des défis à réaliser pendant le concours. C'est très très stylé. Mais il faut trouver un Pokémon classieux. En vrai, j'ai des légendaires, donc c'est un peu gagné, mais... Enfin, en vrai, ça veut pas dire que c'est forcément gagné, mais normalement, je crois qu'en termes de critères de beauté, les miens, ils sont pas mal. Si tu as peur de te lancer, tu peux commencer par faire une séance d'entraînement. Sur ce, je dois vous laisser. A bientôt, Ingrid. Ma daronne a un prénom. Maman! Tu t'appelles Ingrid, merde! T'as une identité! Ça m'étonne de te voir ici, mon loulou. Mais moi aussi! Je m'ennuie, alors j'ai décidé de venir m'amuser à Union-Police. Mais je ne m'attendais pas du tout à te croiser ici. Par contre, si tu comptes vraiment participer au Super Champ Concours, tu dois changer de tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et te pomponner. Enfile ça pour épater la galerie. Oh, attends, je viens de me rappeler, mais on avait un costume. On a obtenu la tenue de Platine. Je suis sûr que ça t'ira à merveille. C'est moi qui t'ai choisi cette tenue, après tout. Et maintenant, cours profiter du Super Show Concours. Mais alors, attends. Parce que je suis en train de me dire un truc, là. Mais les tenues, elles fonctionnent que au Super Show Concours? Oh non. Non, non. Non, je veux pas. Allez, continue de bien t'amuser. Et à bientôt, mon loulou. Non. Non. Oh, il y a un Luxray. Seribou, Pikachu, Monsieur Mime Junior... Enfin, Mime Junior, Luxray, Paysage. Oui, il y en a Cococ. C'est ici aujourd'hui, je vais m'inscrire à un concours. Dunaire, toi aussi tu vas participer? Bah, je sais pas. Bienvenue à la salle de concours. Si vous souhaitez participer au Super Show concours au réseau, vous êtes au bon... Quoi? On peut faire des concours en réseau? Incroyable! Oh, c'est stylé! Attendez, je check un peu l'endroit. Les Pokémon nourris aux Poffins ont l'avantage pour mon évaluation de style. Mais je me rappelle que moi, mon Octali, à l'époque, il était bourré de Poffins. C'est pour ça que genre, je sais pas, il avait, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de médailles. Vraiment, il était bourré de médailles, enfin de rubans, je crois que ça s'appelle. Le Super Show Concours évolue participants dans trois disciplines, style, danse et capacité, ok. Mon petit ami a tellement le trac qu'il n'ose pas participer au concours, c'est dommage. Effectivement. Effectivement. Que souhaitez-vous faire? Non. Excusez-moi. Tu comptes t'inscrire au Super Show Concours? Tu as ta boîte à Poffins? Très bien. Laisse-moi t'offrir ce merveilleux Poffin. Ah d'accord. Donc lui, ça doit être l'un des jurys. Ranger le Poffin doux dans la boîte. T'es mangé ce Poffin à un Pokémon que tu comptes présenter au Super Show. Un petit conseil, avant de te lancer dans le Super Show concours, entraîne-toi. Le comptoir de droite propose des séances d'entraînement. Bah j'y vais en mode full découverte quoi. Voulez-vous inscrire un Pokémon? Alors, voyons si on a le critère qu'il faut. Ah, il y a des catégories? Ah, je me rappelais pas! Alors, concours de sang-froid, de beauté, de grâce, d'intelligence et de robustesse. Goal concours sang-froid. Niveau normal. On va se calmer. Par contre, il y a des nouveautés là-dedans. Hein. Ah, attends, le sang-froid. Oh, ah oui, d'accord, mais ils ont tous des stats à zéro. D'accord, en fait, faut tous les buffer, enfin les puffer. LOL. Oh, d'accord. Bah, je m'y attendais pas. Ah, par contre, ça joue quand même là-dessus. Attends. Attends, parce que là, tu es en train de me dire qu'il y a des capacités qui permettent d'avoir plus de cœur. Ok, bah écoute, on va y aller avec Sankukai, vu que c'est le seul qui a une capacité plaquage, avec 3 cœurs, donc bah go. C'est un essai, hein. Choisissez la capsule boule que vous souhaitez utiliser dans ce concours. Let's go. Ah, je pensais qu'elle était bloquée sur Guy. Mais en fait, je peux m'en servir sur tous les Pokémon. Incroyable! Je me rappelais pas. Oh, mais oui! Oh, mais oui! Ah, attends. Ça, c'est le look de Platine, du coup. Terrible. Mais... Bon, bah d'accord. Ok. Messieurs, dames, le Super Show concours. Concours de sang-froid niveau normal. On va commencer débutant, hein. Veuillez accueillir le dieu numéro 1, Tikazma et Sankukai. Le dieu numéro 2, Nanette et Peps. Oh là là. Ah, attendez, parce qu'apparemment c'est très différent, hein. Le dieu numéro 3, Lou et Éclair. Et enfin le dieu numéro 4, Céleste et Cui. Ok, c'est très différent de ce qu'on avait à l'époque. Hein? What? C'est un jeu de rythme! Mais attends, mais... Ok, c'est un jeu de rythme!
Ok, je suis numéro 1, donc pour le moment ça se passe. C'est stylé, j'aime beaucoup. On se concentre, hein, je dis pas grand chose. Oh bonjour. Ok. C'est cool. C'est cool parce que le Super Show Concours c'était vraiment le truc de cette génération. Nya. Donc s'ils l'ont rendu plus par rapport à la version d'époque, c'est grave cool. Alors par contre du coup alors moi j'ai choisi plaquage. Est-ce que ça permet de faire un truc en particulier ou est-ce que, je sais pas, genre j'ai une espèce de méga cap? Les gars, je suis tellement en train de gérer. Allez, on y est presque. On y est presque. On tient le bon bout. On tient le bon bout. Yeah. Je suis un peu deck parce que j'ai fait quasiment un perfect. Mais si je gagne mon tout premier show concours, pardon, j'avais pas parlé. On est bon. Hein. Concentration. Ok, bah j'ai géré. Par contre, la prochaine fois, prévenez-moi quand ça se lance parce que j'ai pas trop le temps de capter. Show concours réussi. Quel show, mes amis, quel succès! Les participants vont recevoir des points de réussite pour cette belle performance. D'accord. Rang 1. L'heure est venue de décerner le prix d'excellence. Attends, c'est déjà fini? Figurez-vous que cette fois-ci, deux duos se sont montrés dignes du prix. Attends, quoi? Mais quoi? Attends, t'es en train de me dire que j'ai chié? Ah, mais je croyais que j'étais premier! En fait, j'étais juste premier dans l'ordre des joueurs. Étincelant, super, bien. Mais mec, j'ai quasiment rien loupé. Oh bah. Oh bah merde. Oh bah merci pour le raid. Merci Panda. Nous espérons vous compter parmi nos participants une prochaine. Bah, mais j'ai même pas le temps de capter. Ah, c'est déjà fini? Alors, moi je me rappelle d'un truc sur les Super Show Concours, c'est que à l'époque, t'avais ton Pokémon et t'avais genre 2-3 épreuves à passer. Et par rapport à tes stats et tout machin, ça te permettait de faire des trucs de fou. Là, apparemment, c'est très différent. Alors, attends. Parce que là, on a fait un super show de type sang-froid. S'il faut, peut-être que le concours de beauté, c'est très différent. De toute façon, tous mes stats sont à quasiment zéro, donc bon. Coup dur pour le casse-marre. Bah ouais, de ouf! Bah ouais, je veux faire participer, mon œuf. Au moins, en termes de beauté, y a rien à dire. Il est sphérique, il est arrondi, on est là. Ok. Bah vas-y, je sais pas, je vais réessayer, parce que là, ça m'a un peu perturbé. C'était sympa, c'est sympa, par contre ça m'a même pas fait genre 3, 2, 1, partez. Ça a vraiment genre lancé le bail sans me prévenir. Et bienvenue au Kazma qui nous rejoignent. Bienvenue, installez-vous confortablement, super chaud concours. Cette fois je prends le look platine. Toujours en live à 7h, bah bien sûr. J'avais dit hein, que c'était une grosse journée Pokémon aujourd'hui. Hein. Concours de beauté. Alors, comment ça fonctionne? Même chose je suppose, je vais acquérir le dieu numéro 1, donc moi cette fois, enfin toujours moi du coup. Pio et or. Mais elle gagne des cœurs. Pourquoi? Pourquoi pas moi? C'est scripté? Je suis une merde, c'est ça? Oh putain, je sais. Je sais. Je sais. Ah, c'est la même chose? Ah, fais chier. C'est parce que du coup, ils l'ont dit. Faut faire du capsule ball. J'en ai pas fait. Ah! Ah, zut, crotte flûte. Je lirai le message après. Hein. En tout cas, merci pour le raid. Ah, mais j'ai une capacité de concours, j'avais pas capté. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai tout, enfin j'ai pas tout déglingué. D'accord. D'accord, 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 d'accord. C'est dommage par contre que tous les épreuves ce soit toujours un truc de rythme à la Guitar Hero. Bah écoute hein. Nya. Nya. Nya! 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 Par contre, la musique a changé déjà ça. Mais alors, j'arrive pas à savoir là, je suis bien ou je suis pas bien? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je remplis une barre de satisfaction. Minimum. Et elle est pas très pleine. Alors qu'on arrive déjà à la fin du mélopé. Du rond doudou, du rond doudou. Donc je suis en train de me dire que je chie dans la colle. Damn! C'est pas grave. Ouais, il faut vraiment que je leur fasse bouffer des pofins. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Dernière note. Dernière note. Ok, on bat critère minimum. Alors de rien, je suis petit mais je viens de me faire 24 heures de stream. Donc je les envoie sur des chills avec du Pokémon. Maintenant moi je vais dodo. Bon live à tous et bon live à toi. Bah merci Panda. Des bisous. Et donc bienvenue aux nouvelles têtes. Bienvenue aux nouvelles têtes.
L'heure est venue de décerner le prix. Bah du coup, maintenant que j'ai capté qu'il y avait un truc que je maîtrisais pas du tout, je me rends compte que je suis une sombre merde. Ok, bah je sais pas. Je sais pas. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vu que là, j'ai lancé que des mods normaux, en fait, si tu leur fais pas manger un minimum de pofin avant de t'engager dans quelque chose, je pense que tu peux rien gérer en fait. C'est très différent de ce qu'il y avait à l'époque, j'ai l'impression. Ok, bon bah écoutez, deux super chauds concours que j'ai ratés. Je suis une merde. Ma vie, c'est du jambon. Je suis une sombre tranche de pâté. Voilà. Tip top. C'est pas du tout la même scène que j'avais il y a deux secondes, hein, soit dit. Ça, c'est la scène de la version DS, tu vois. La scène que j'avais, par contre, dans le mode de super chaud concours, là. C'est nouveau. Oh, elle est jolie, la dame. Ok. Bon, bah, tip top. Ah, tip top, tip top, tip top. Noise. Noise, c'est noise. Comment on sort? Je me rappelle plus. Merde, comment je m'en vais? Ah! À l'aide! Je suis coincé. Je suis coincé dans le super chaud concours, à l'aide! Ah, c'est là. Bon, ce qui compte, parce qu'à la base on n'était pas venu forcément pour ça. On reviendra faire des super chauds concours. Pas forcément en LP, hein. Mais plutôt de notre côté, comme on fera pour les galeries. Petite save. Alors, maintenant que j'ai fait deux super chauds concours, que j'ai eu la rencontre avec Ingrid, ma daronne, qui a un nom incroyable, et bah la championne n'est toujours pas là. Alors, est-ce qu'elle est au square paisible? Mommy? Mommy? Elle est où, ma mommy? Bon, soir. Enchanté. Square paisible, vous pouvez vous promener avec vos Pokémon mignons. Oh bah! Donc, ceux qui puent la merde, ils restent derrière, c'est ça? Si j'ai un gros tas de morve, il est mignon si je le dis, d'accord? Si je mets un ruban, voilà. Les Pokémon autorisés sont Pikachu, Melofey, Psychokwa, Pachirzu, Tiravi, Laporet. Donc, tous les autres. Les autres, vous êtes considérés comme des merdes! Podrive, Rondoudou, Poussifeu, Tortipousse, Boscara, Torterra, Wissicram, Chimpanfeu, Simabraz, Tiplouf, Prinflouf, Pingoléon. Donc là, elle est en train de dire que tous mes autres Pokémon ils puent la merde. C'est bah, super! Ah bah, je suis heureux de le savoir. Wouah! Donc eux, ils ont un critère de beauté préétabli. Donc t'es en train de me dire que ce truc là, cette espèce de deuxième évolution de type louf, genre c'est plus joli que son Kukai. Avec ses 6 couilles sur la tête. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Hein. Ah, il est pas grand en fait. Bon. Oh, par contre j'adore. Il court en Naruto Run. On va mettre le vélo. Ah, ça siffle. D'accord. Bonjour. Tu devrais parler à ton Pokémon, il peut parfois trouver des objets. Major Pingu a l'air d'aimer être en contact avec le sol. Effectivement, il avait l'air de frotter le sol. Oh, Baudrive. Alors, je suis venu un peu me promener parce que je sais plus trop ce qu'il y a dans le square paisible. On m'a dit qu'on pouvait trouver des objets. Il y a quelque chose d'inscrit au dos de la plaque. Cette plaque renferme la puissance de géant vaincu. Ok, alors je crois que les plaques, c'est pour des légendaires. Enfin, je sais ce pourquoi, je crois, mais je préfère pas le dire, on sait jamais. Les spoils, tout ça. Les pièces runes, oui. Des sous. De la maille. Conseil au dresseur. Score paisible, vous pouvez déplacer la caméra avec le stick droit afin d'observer. Ah ouais. Oh. Oh. D'accord, sympa. Ok, change éclair. C'était 43. Change éclair, c'est bien ça? Ah, d'accord. Alors, je voulais savoir, hein, parce que... Pour Luxeria... Oh, il y a un truc un peu fin! Et oui, je crois qu'ils avaient dit qu'on pouvait trouver des baies ou un truc comme ça, donc en fait, je peux faire des plus fins ici. Bonjour, vous pouvez utiliser vos baies pour complexionner des peu fins. Non, merci. Tu es une sombre merde, Major Pingu. Non, je déconne, hein, j'aime bien Tiplouf. Mais bon, bah, c'était bien, hein. Ok. Après, c'est le genre de truc où faut vraiment rester un moment, en fait. C'est de la grosse promenade.
Alors ici que tu fais tes œufs, c'est ici que tu te promènes pour trouver des bébés, tu vois, c'est, tu te poses un moment. Bon, par contre, la prochaine fois, je viens avec un Léviator, hein, et je rentre, je vous préviens. Non mais oh, les Pokémon, ils puent la merde, ça va, oui. C'est vrai, genre, je sais pas. D'où ils établissent un critère de beauté, gna gna gna. C'est pas à le choisir. Enfin, c'est pas à moi non plus, mais vas-y, genre, tu rentres avec ce que tu veux. Pouh ! L'excuse technique. Alors, d'un point de vue scénarium, on en est où? J'ai fait le super show concours, j'ai été au square paisible. Sauf que je sais pas où est la dresseuse, enfin la championne. Visiter Union Qualis. Il me manque un truc. Soit il y a un truc que j'ai pas visité, ce que je pense pas. Soit il faut que je retrouve la championne qui est partie se perdre je sais pas où. Se perdre je sais pas où, parce que moi j'ai été un peu partout je crois. Salut Steph. Ah enfin, tu m'as fait attendre Tikasma. On va voir à quel point on a progressé ici. Et maintenant t'es un dresseur, maintenant tu dois toujours être sur le qui-vive. Nya-ha. Alors on pleurniche pas, on s'enfuit pas, et c'est parti pour un combat. Let's go. Bon, il a un Torterra. Et moi, toujours pas de Pokémon Feu. Sangukai! Pouvoir antique! Oh, il a fait... Let's go! Let's go! Putain, par contre, qu'est-ce que je vais faire contre Torterra? Boscara. Ah oui, non, Torterra, c'est la dernière forme. Et ben, on y est, la question que tout le monde se pose depuis une heure. Vas-y, Mimimacri. Alors, tu peux probablement te promener avec tes Pokémon désormais. Attends, quoi? On peut se promener avec ses Pokémon dans Diamant et Torchlight? Comme à l'ancienne? Enfin, comme à l'ancienne, comme dans d'autres jeux de la DS? Ce serait trop bien. Ça marche. Ok. Ça marche, ça marche, ça marche. Nya! Salut Atara! Que de souvenirs, je jouais sur DS à ce jeu, moi. Mais moi aussi! C'est mon premier jeu Pokémon. Et le seul que j'ai jamais refait d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Ponyta! Eh, hey, franchement, on est pas mal hein, en termes de faiblesse élémentaire là. Parce que je suis en train de réfléchir, mais depuis tout à l'heure, j'ai tout ce qu'il faut. La dame t'a dit un moment que ton Pokémon Primplouf voulait se balader un peu plus. Ah, ça que tu veux dire? Non, je crois que tu me parlais de me promener où je veux avec le Pokémon que je veux. Ah mais non, je m'en moque de me promener avec Pouf. Enfin, pas tout de suite. Parce que si je me promène là-dedans, c'est pour récupérer des baies, c'est pour farmer. Là, on est en LP, je rappelle. Oui, si à un moment je veux me poser, j'irai dans les grottes, je ferai des puffins, des shows concours et tout machin. Mais là, là en aventure, vas-y, flemme. Je vais me poser un petit peu, je vais jouer dans mon lit, tranquille, en mode portable. Et je pense que de toute façon, je l'ai dit, je le redis, hein, c'est la version portable qui prime de ouf. Hein. Mais c'était boy. Hop, électrique. Ok, bah je suis content parce que j'ai tout ce qu'il faut pour gérer tout ce qu'il faut dans cette île. Moi aussi, c'est mon premier, les musiques me rappellent de bons moments. Alors les musiques, tu feras gaffe, elles ont été remixes. C'est sur des détails, hein, faut vraiment avoir l'oreille. Mais j'ai tellement joué à ce jeu que, genre... Tout à l'heure, je la chantonnais de moi-même et j'étais là en mode. Tin. Ah, c'est pas pareil, ça, tu vois. La base, c'est encore. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, c'est 70% la même chanson. Hein. Ok. Bon, bah, on lui a roulé dessus. Littéralement, je pensais pas lui rouler dessus autant. Vraiment. C'est cool. Je l'ai quasiment one-shot de tous ses Pokémon.
Arg! Ah mon dieu! T'as encore eu mon équipe KO, connard! Pardon, excuse-moi, la politesse. Tu peux dire adieu à mon rêve de devenir le plus grand dresseur de l'histoire? Non, c'est pas le moment d'abandonner. Je vais m'endurcir et progresser. Un jour j'y arriverai. Allez, je pars m'attaquer à l'arène de Voilrock. A plus, Ikazma. La prochaine fois qu'on se verra, je serai super balèze. T'en reviendras même pas! C'est dans quel jeu Pokémon que ton rival il se met à déprimer? Je sais qu'il y a un jeu Pokémon où ton rival, en fait, tu lui mets tellement sa branlée tout le temps qu'au bout d'un moment, il fait « Pourquoi je continue à me battre? Je suis une merde !» Et à un moment, genre, quelqu'un lui parle et il reprend confiance en lui et il te raffronte. Et après, genre, il est en mode « Bon, tu m'as encore vaincu. Mais c'est pas grave, je vais bomber le torse et je reviendrai plus fort !» Épée et bouclier, je crois pas. Peut-être. Si, peut-être. Je sais plus. Il me semblait que c'était une version de mi-génération. Genre, pas les tout derniers, pas les tout premiers, un truc un peu après. Genre, peut-être blanc ou soleil, je sais pas. Tellement de jeux Pokémon, en vrai. Est-ce qu'elle est de retour, elle, du coup Bon, bah elle s'est barrée. Je sais pas où elle est. Allez à Voilrock. Voilrock, c'est vers le sud, ça, non? Voilrock, c'est vers le sud. Verchamp. C'est où Voilrock? C'est où Voilrock? Ah, c'est là! Ah, bon, on fera ça dans le prochain épisode. YouTube! On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 5, je crois. On a bien avancé aujourd'hui. Je vais discuter un petit peu en off pour voir si on refait une VOD du luxe. Une VOD du plaisir, parce que je t'avoue que je me tâte. J'ai très envie de continuer, mais en même temps, si je joue trop longtemps, j'ai peur de prendre du temps sur le montage et donc sur le postage, etc. Après, la vérité, il y a quasiment rien à faire sur Pokémon. Hein. Je veux dire, c'est peut-être la série du moment qui me prend le moins de montage au monde. Quoique c'est rien, mais pas mal aussi. Bref, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour la suite de notre aventure sur Pokémon Diamant Étincelant qui brille de mille feux. Ciao, ciao!